Bonjour, voici une troisième présentation d'un outil pour faire de la capture audio pour des commentaires aux élèves dans Google Classroom. Et cet outil s'appelle Vocaroo, qui est un outil web qui va nous permettre là, de faire des commentaires directement à partir de l'application Google Classroom en utilisant aussi Safari. Donc, si je veux faire la correction de devoir dans Google Classroom, donc par exemple ici, j'ai ma collègue Diane qui m'a fait un devoir ici, qui est un document Docs. Donc, je vais aller ouvrir son document Docs. Et si je veux pouvoir le corriger directement dans Classroom, vous savez que vous utilisez directement ici le petit crayon qui est disponible en haut. Ce que ça fait, c'est que ça crée un PDF de mon document Doc que je peux directement annoter. Donc, par exemple, ici, je peux remarquer que tout ça, c'est vraiment mauvais et que ça, ici, ça n'a aucun rapport dans le contexte. Je vais enregistrer mon PDF. Et une fois que j'ai fait cet enregistrement-là, ben, je vais aller faire un enregistrement sur mon application qui s'appelle Vocaroo. Donc, c'est un site web. Je vais prendre ici ça. Je vais prendre ici un slide over. Donc, je vais prendre ici Safari, je vais glisser en slide over et je vais ouvrir un nouvel onglet Vocaroo que j'ai mis dans mes signets ici. Donc, à vocaroo.com. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer mon mémo vocal. Je vais autoriser le micro. Par la suite, je fais mon enregistrement. En ce moment, là, le micro du iPad est désactivé, donc je fais du voice-over. Donc, une fois que mon enregistrement il va être terminé, j'appuie sur stop. Je peux le réécouter en pesant sur play pour valider que l'enregistrement il est bien à mon goût. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Save and Share. Il va se créer un lien hypertexte. En cliquant sur la petite boîte ici de lien à droite, je copie automatiquement le lien dans le presse-papier. Je retourne dans mon document Google, je ferme. Je retourne dans les commentaires privés dans le bas. Et je vais aller coller tout simplement le lien hypertexte vers le commentaire vocal que j'ai enregistré sur Vocaroo. Ce qui va donner accès à mon élève à ce commentaire-là. Donc, c'est ce qui fait le tour de nos ressources de commentaires audio. Donc, Talk and Comment. Vocaroo ainsi que Mote, trois outils pour faire des commentaires audio à vos élèves.